Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvel épisode de Repas Universalis 4, toujours avec thé, pudding, camembert et on écrase la France avec le signe noir. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, dans la, je voulais trouver un truc plus pour la France, mais bon. Mais t'avais dit le truc du vin, c'était pas mal sous ton épisode d'avant. L'épisode d'avant, ouais. Oh, Henri est machiavélique. Parfait, on n'a pas de réseau d'espionnage à faire, ça tombe bien. Allez, bute-moi ces rebelles, hein, s'il te plaît. À 20 frelatés, j'aurais dû dire. À 20 frelatés, c'est vrai que ça pourrait le faire. Bon, la France est en train de refaire des sièges, mais elle n'ira pas loin. Non. Je sais pas trop bien sur ton siège pour... Je risque de te faire... De l'attrition. Déjà que t'en as. T'as pas besoin de moi, déjà. Ouais. Je vais sortir eux. Ok, on a géré les rebelles. Quand même, c'était pas donné. Bravo, bravo. Vous vous êtes réparé, vous? Retournez vous occuper de la Manche. Bon, va falloir que je fasse quelque chose pour les bateaux. T'en perds encore? Bah j'en ai perdu déjà. J'ai perdu deux barques là, butées par le français, puis au moins un navire de transport. Bon, c'est pas dingue. Mais va falloir faire quelque chose quand même. Moi j'économise pour améliorer mes bateaux, mais 380 d'or. Ah ouais, ça pique, hein. Je l'ai fait tout à l'heure, hein. Ça pique. J'ai eu un monopole à remettre qui est tombé au bon moment, quoi. Mais... C'est toujours ça de prix. Attends, t'as bougé tes 2000 hommes au Berry, il s'est barré du siège du Lyonnais, quoi. Ah, c'est impressionnant, hein. Ah oui, mais ça y est, pardon, t'as fait tomber le truc. Oh là là, et moi ouais, qui m'endors. Ouais, j'ai fait tomber le truc, quoi. Ouais. Je m'endors sur mon truc, moi. Je vais avancer un peu ma cavalerie histoire d'eux, mais... Il est en train de faire un gros tas en bas, quand même. Ouais, faisons attention à ce qu'on fait. Ouais, ouais, on va avancer tranquillement par région, hein. Papillote le Grand sera prolifique. Ah merde, putain, encore une rébellion. Mais veuillez décéder, quoi, les gens. On peut ouais, tu peux pas changer les noms d'héritiers hein, quand c'est déjà fait. Hein. Bah non, j'ai pas trouvé comment. Il pop et que tu peux le nommer. Pareil, s'il y a des gens qui veulent être un dirigeant normand, dites-moi pour le prochain héritier. Ce sera avec plaisir. Bah oui, on avait Delaroche. Oui. Delaroche qui. C'était Delaroche. Qui était un général du coup plutôt qu'un héritier. Mais. Mais ouais, mais je sais pas si je peux renommer des généraux du coup. Bah quand si tu les recrutes, pareil, au moment où tu les recrutes, tu peux les renommer. Et bah prochaine fois que j'aurai un bon général, je l'appellerai, c'était Delaroche, hein, c'est ça? Delaroche, ouais. Alors c'est le nom ou c'est le prénom et le nom? C'est son nom de famille, ouais. C'est ouais, son alors nom après, de famille. Et bah éventuellement le prénom, je mettrai soit son pseudo, soit... Allez, promis, dès que j'ai un bon général, mais il faut qu'il soit bon quand même. Ouais, pardon, faut que je descende te rejoindre. Je vais même descendre sur le Toulousain directement. Fais gaffe, il a quand même 18 000 hommes. Hein. Pas loin, ouais, mais oh, ça les ferait sortir de son siège. Il y va. Ah merde, le salaud. Bah, j'arrive du coup. Ouais, bah tant pis, hein. Sachant que c'est des collines. On peut prendre cher. On peut. Ouais, déjà là, je lui fais prendre cher, donc c'est bien. Alors, ça devrait le faire. Je ramène direct mes... Ah putain, il y a un siège à prendre. Bon bah je ramène pas direct mes rebelles. Mes péons là. On va envoyer... On a un petit moins deux quand même. Les hein. bateaux... Ah bah ouais là... Il y a eu une traversée qu'il n'y avait pas au début. J'ai pas compris quand je suis arrivé il y avait moins un et c'est passé à moins deux. C'est peut-être moi quand j'ai traversé, il y a eu un malus de traversée. Apparemment, mais pourtant je suis arrivé sérieux, du même endroit quoi. Que toi. Bon cela dit ça va le faire je pense quand même. À la fin. Monopole sur le textile. Mais... Allez, on prend le blé, pas de soucis. On a pris un peu cher. Un petit peu. Bon, après, on est à 77%. Ouais, clairement. Alors, est-ce qu'on peut pas faire des petites paix séparées? Regardons en speed. La Suisse, bah, c'est ça la Suisse. La Suisse, je pense qu'elle va s'en foutre totalement. Bah, on a quand même bien défoncé ses armées. Hein. Ouais, mais ce territoire. Ouais, non, elle veut pas. Le Brabant, éventuellement. Tu es où, Brabant? Tu es toi, Brabant. Pareil, il va s'en branler.
Ouais, il s'en fout. Mais bon, là, on devrait arriver à assumer tous nos sièges sur la France, donc après, on va pouvoir marcher sur la Suisse. Est-ce qu'on peut voir... Il lui reste encore 25 minutes de réserve à la France, hein. Et pas à poil, si on lui prend tous ses territoires, elle pourra plus recruter, en fait. Hein. Ouais, mais ses armées existantes, par contre, continueront à... Ah oui, bah jusqu'au maximum de ce qu'elles peuvent être, ouais. Mmh. Bah genre celle-là, c'est censé être 17 000 hommes, l'autre. Ouais, c'est vrai que... Elle nous propose une paix, on lui dit non. Oh putain, l'explorateur, il a terminé. Je peux pas améliorer les navires, non. Paf. Explorer un peu l'Afrique, c'est parti. On va essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un déjà au Cap, là. Bon, après, là, on pourrait faire, je pense, déjà une belle paix contre la France. Hein. Je pense aussi, oui. Parce qu'on peut le choper pendant qu'il a encore un moral un peu pourrave. Non, il va trop vite. Ah, on a perdu un conseiller. Diantre. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Plus de morale navale, constitution des réseaux d'espionnage. C'est de la merde tout ça. C'est hyper cher en plus. Bon, on va prendre ça quand même. Allez hop, on peut se permettre. Et en plus, ouais, t'as vu, hein, il attend, hein, il se pose dans les montagnes et il attend quoi. Nos ports sont sous blocus. Ah, il a sorti ses bateaux. Intéressant. Les mercenaires sont arrivés. On les a envoyés au Brabant, tiens. On peut leur tomber dessus quand tu veux. Ah, ils bougent. Ouais, attends. Pourquoi je peux pas passer là? Ah, j'ai pas l'accès militaire en Autriche. Bah non, mais ouais, bah du coup. C'est pour ça qu'il vient pas en fait. Le Brabant. Ah. Il a dû envoyer des gens faire tout le tour, mais. Voilà. Ah ouais, tout le tour des forts aussi, ouais. Tout le tour des forts, ouais. Ce tour-là, quoi. Ouais, celui-là, ouais. On saute sur les 9000 là? Ah bah, pas de soucis. 9000 de moins. Alors attends. Parce que bouge pas, mais. Ouais, attends. Vas-y, je me pose. Que je puisse te rejoindre. Si j'arrive à choisir ma deuxième armée, je n'y arrive pas. Alors, où est-ce qu'il a envoyé ses bateaux, ce petit con? Ok, donc 7000 là, 9000 là, c'est bon. On va se poser là pour bloquer un peu le chemin. Ça y est, t'es prêt? C'est prêt. Alors c'est parti, est-ce qu'il va s'arrêter? Non, il est lock. Donc il y a moyen qu'on bute les 9000 et que s'il fait demi-tour, c'est lui qui aura le malus. Il tombe sur tes... Ouais, ouais. En avant. C'est... T'es loqué? Ah merde. Non, il s'est arrêté quand il m'a vu arriver. Il nous attend. C'est mort. Tu viens avec moi? Ouais, ça y est, c'est bon. Ah pardon. Des femmes à marier. 200 de population au Capré. Bah, c'est parfait. On doit te choper avant qu'il arrive chez toi normalement. Ouais, voilà. C'est bon. Du poisson au Capré, bon bah putain, moins 2 encore là. Ouais, bah là par contre, je pense qu'il va prendre cher. Ouais. Les mercenaires, comment ça se passe? Ah bah oui, voilà, on a pris l'accès militaire, bam. Attends, le Brabant pas, il vient se popper. T'aurais moins 5. Voilà, je l'ai vu, ouais. Mais il y a 11 000 mecs à Calais du coup, direct quoi. Ah ouais. Ouais, la flotte française, je l'ai vu sortir de son port, mais je ne vois pas où est-ce qu'elle est. Elle a plus qu'un endroit où se replier, cela dit. Sauf au Brabant, peut-être. Bon, bah on pourra aller terminer la Provence. Ce sera fait. Oui, Stackwipe. Nickel. Allez, je te laisse terminer la Provence, je vais aller m'occuper du Brabant. Il arrive en force sur mes mercenaires, là. Vas-y, je vais y aller. Dans la foulée, j'irai faire des sièges en Suisse, après. Alors, est-ce qu'il va à Paris? Bon, après tout, c'est des mercenaires. Hein. On les envoie affaiblir un peu l'ennemi.
Ah ouais, affaiblir un peu l'ennemi, enfin faut encore qu'on arrive à affaiblir l'ennemi par contre. La bande de mercenaires de la bande des neutres peut être soldée. Très très bien, c'est extrêmement intéressant. Allez, résistez un peu les gars, il y a les renforts qui arrivent. Ouh, ça va être tendu, on va arriver de justesse. Allez, justesse, oh, il a fui. Parfait. Bien joué. Allez, en avant, on va au Brabant. Tu m'étonnes. Et moi, bah, je suis en Provence, ça se passe. Est-ce que la Suisse lâche l'affaire? Elle est en train de venir et puis qu'elle a fait demi-tour finalement. Voilà, un petit barrage d'artillerie, ça me fait plaisir. Elle veut pas. La France voudrait une paix, bon, pas d'urgence, France. Ça me fait bien plaisir, comme ça, ça va tomber plus vite et je vais aller m'amuser en Suisse. On a terminé l'exploration, on en refait une. Hop. Ah merde, indépendantistes bretons qui se réveillent là. Ah. Alors le cap, on voit pas encore le cap. Ah fait chier, il tomberait quand? En 6 mois. Oh. M'arrange pas ça. T'as pas un petit peu de points militaires à claquer? Sinon j'envoie mes mercenaires, hein, pire mais... Le problème c'est que j'en ai deux, trois, j'ai trois rébellions qui doivent tomber alors... Le Brabant a annoncé que j'étais son rival, tu te sens pas un peu pissé Brabant? Non c'est bon, ça, si, c'est la teuf. Un peu de répression implacable. Je peux pas passer là du coup, on va piller, c'est pas grave. T'as des canons toi? Ah oui mais je peux pas sortir ces canons. Non. On peut prendre une doctrine, combativité de l'infanterie plus 10%, on prend. Ah ouais, j'ai bien aimé le siège qui est passé de 28% à 21%. Mais dis donc, il est à Paris. Ah ouais. Ah non, 90, ça vient de redescendre. Je comprends pas trop comment, pourquoi, mais... Si, parce qu'il fait un... Oula. Il fait un siège sur le Chartrain. Notre conquistador n'a certes pas envoyé d'or, mais nous a fait parvenir une magnifique carte très détaillée de nouvelles possessions. Croissance connue générale, plus 10. Nickel. On est parti, hein, ça y est. Ça va être tough. Est-ce qu'on voit d'autres gens? Pas des masses pour l'instant. Comme moi, je ne te vois toujours absolument pas, ça c'est un peu dommage. Bah ouais, ah oui, puis on avait dit que tu pouvais pas me demander des cartes parce que t'étais un vassal. Ouais. Ouais, va falloir qu'on trouve un moyen de casser ce truc, hein, vraiment. Oui. Bon, plutôt que glander, vous, allez vous occuper d'eux, là. Voilà, 3000 Suisses à Paris. Par contre, c'est la violence, le Brabant, là. Ah oui, 3 de niveau de fortification, parce que c'est une capitale en plus, ça joue. Bah ouais. Il fuit. Donc on va choper le Brabant à la place. Soit pour... bah, il va venir. Ok, je vois pas trop le délire, mais admettons. S'il a envie, hein. Ouais, ça me dérange pas. Ah, s'il pouvait bien tomber ce Dauphiné aussi, là. Plein pas, je suis toujours à moins 28. J'ai réussi à faire une brèche, parfait. Ouais, mais c'est que je voudrais foncer en Suisse, puis j'ai mes rebelles qui sont en train de remonter à 70% là. Bah après, on peut arrêter la guerre là. Hein. Non, mais après, c'est dans 4 ans pour le moment, faut que je surveille. La Suisse est moyen, le Brabant est faible, je pourrais peut-être sortir le Brabant. Bah, avec la longueur du truc, tu peux gratter un petit peu de l'argent à tout le monde et autres, te prive pas. Hein. Ouais non, je peux rien lui demander. Je peux faire une paix blanche mais c'est tout. Après comme tu veux hein mais. Pour l'instant, il veut pas. Oh non, une paix blanche c'est bon. Ouais, ça fait yesh après tout ça quoi. Déjà la France n'existe plus. Il va retourner piller ça. Hop, voilà. Rien de deux en professionnalisme de l'armée, ben on va prendre hein. J'ai pas fait gaffe, mais il y a peut-être un siège en fait là à faire. Il y a peut-être un blocus. Voilà, là. Le Dauphiné port, est tombé.
Ah, j'avais pas vu, il y a un petit blocus à faire. Ah bah voilà, 42% c'est mieux. Tu... Ah, si tu bloques le port... Ah oui, non mais oui, ah oui, d'accord, fallait le voir. Hein. Ah ouais, ouais, il y a un tout petit port là, planqué dans la baie là. Ah, je l'avais... Ouais, je me disais, je comprenais pas, je disais, comment ça se fait que si tu bloques le port d'une autre ville, ça marche? Mais non, c'est parce qu'en fait, il y a un port, mais... Extrêmement bien planqué. Alors, ces troupes sont où? Elles sont là. Il y a 13 000 hommes, quand même. Pas grave, on va se poser. S'il a envie de venir, il viendra. Quoi qu'il a un moral pourri, hein. On va y aller, en fait. Ah bah non, on peut pas à cause du fort, parce que nous, on ne peut pas traverser les forts, excusez-moi. J'avais oublié ce détail, Arrête de tricher, quoi. On pourrait devenir défenseur de la foi, non? Non, absolument pas. On pourrait faire des manufactures à Oxford. Ouais. Pas sûr que ce soit vraiment très très intéressant en fait. Une épidémie. Ouais. Et voilà, on commence à être un peu meilleur en siège là. Ah bah là, je suis en train de faire tomber petit à petit la Suisse. On est déjà à 0%, c'est propre. Ah. Ouh, de 0 à 21%, oula, qu'est-ce qui se passe? Sauvé par une princesse! Oh là là, nous ne pouvons qu'imaginer la terreur qu'a pu ressentir notre conquistador lorsqu'il fut couché au sol, la tête sur une pierre, tandis que des indigènes se tenaient prêts à lui briser le crâne de leur gourdin. Heureusement pour lui, la fille préférée du chef s'est précipitée pour placer sa tête sur la sienne, le sauvant ainsi d'une mort certaine. Amen. Alors, soit on leur file du blé pour que ça ne se reproduise plus, soit ils nous aiment pas. Bah écoute, vu que ça nous donne aussi 50 points diplo, on va filer du blé. Ça, on est pété de thunes. T'as pas besoin de sous d'ailleurs. À tout hasard. Bah pour mes bateaux quoi, donc faut pas dire que c'est une urgence non plus. Hein. T'as raison, c'est vrai que je pourrais recruter quelques bateaux. Bon, c'est pour les améliorer quoi, mais bon tant pis, ça, j'arriverai bien à le faire un jour. Le siège est tombé. Si tu me dis que t'as 2000 ducats, je veux pas te dire non, hein, mais... Non, mais je peux t'en filer 100, par exemple. Allez, bah 100, allez. Pour l'aide à la guerre. Enfin, voilà, l'effort de guerre. Vu que tu toucheras à rien, de toute façon, des... Ah bah ça, oui, c'est sûr. Je t'en filerai un petit peu... Non, bah tu m'en files là, c'est bon. Là. C'est parfait. Allez, on va écraser l'armée du Brabant, et derrière, je pense qu'il va lâcher l'affaire. Oui, lassitude de guerre élevée, merci, on s'en doute pas du tout. Chez toi? Bah oui, oui. Malgré tout, j'ai une lassitude de guerre élevée, ouais. Allez. Usure. Ouais, bah usure, ouais. Hop, on stack wipe ça avec nos mercos. On peut prendre une autre doctrine. Croissance coloniale générale, on est à combien? 110%? Bah, oui, on est tellement pas loin du 100%, quoi. Colonisateur plus chose, rapide. Hein. Tain, les mecs ils font des allers-retours sur moi quoi. C'est ouais je vois ça. Oh énorme, énorme. Bon. Je pense que le Brabant c'est bon, on va se barrer histoire de pas être en exil mais... On a dans gagné toutes les batailles, hein. C'est beau. Ouais, il y en a quelques-unes qui étaient just mais on a réussi à pas se faire maîtriser par la France. Ouais. Ça fait plaisir, c'est clair. Alors, tu veux une petite paix maintenant? Bah oui hein. Allez, qu'est-ce que tu viendrais? Vassal anglais? Non, pas possible. Détourner le commerce, c'est pas mal ça. Réparation de guerre, et puis le blé. Voilà, bah, 95%. Détourner le commerce, eux, ils doivent être pas mal quand même. Ouais, je pense, ouais. Deux ports... 215 dessous, hop. Estuaire. 95%. Bah voilà. Ah merde, on est quand même en exil, j'étais pas encore arrivé. Bon bah tant pis, on va l'envoyer à Calais. Alors, la Suisse, comment ça se passe? Bon, il y a un siège en cours. Tiens, bah, je vais te donner après, les... ils peuvent plus rien faire. Je vais te donner les sièges pendant que j'y suis, avant d'oublier. Si t'as toujours tes mercenaires, je devrais avoir... Ouais, je suis en train de les envoyer vers la Suisse, là, mais... Bon, bah vas-y, c'est pas grave, parce que j'allais dire j'ai une rébellion qui va peut-être pas tarder à péter, mais... Bah, je l'envoie en Bretagne, pas de soucis. Ouais, ouais. Enfin, alors, j'en ai plusieurs, mais...
Ouais, bah tu me dis où je me pose et puis tu fais le truc, tu sais, tu peux provoquer la rébellion là. Enfin, s'ils sont moins de 10 000 si tu fais ça. Pousser à la révolte? Nous ne pouvons pas pousser à la révolte si le pays est en guerre. Ah. Ah, les malins. Il y a toujours un truc, hein. Mais tu peux te poser. Voilà, t'en as 10 000 après, qu'est-ce que je vais avoir? Ouais, 11 000 de rébellion, 11 000 et 14 000 d'indépendantistes français, ça va être un peu chaud quand même. Ah oui, ça peut piquer un peu là, ouais. 11 000, je pense que je peux gérer, parce que normalement j'ai justement ce qu'il faut. Il faut juste qu'ils se refassent, mais c'est des mercenaires, ils ont des réserves, donc... Ouais, fait chier, c'est que je risque. C'est que j'aurais bien aimé faire tomber ce siège aussi, qu'on soit tranquille, quoi. On va voir. Pour moi, ils sont à 80%. Bah, je vais regarder si je fais une paix avec la Suisse, qu'est-ce qu'elle propose pour l'instant? Réparation de guerre et tout son blé, elle veut pas. Parce que les exigences sont supérieures au score de guerre, madame, quoi. S'il vous plaît. Ouais, Ah. j'avoue que là j'ai pas claqué de points pour faire un. Mais je vais Non, peut-être le non, faire. bah non, non, t'embête pas. Bah, Je ça savais. accélérerait la fin, hein. Oui, mais on n'est pas pressé. À Enfin, part les sauf si rébellions t'es chez moi. pressé. Non, en soi, non, c'est les rébellions, quoi. Je peux faire de la neutralisation autonome des rebelles chez toi, tiens. Avec mes mercenaires. Il faut dire qu'avec la lassitude de guerre élevée que j'ai, forcément, ça les. Bah, ils sont tous les deux groupes à 90%, 12 000 et 14 000, hein. Bah écoute, je vais préparer mes autres péons là. Alors, 12 000 qui seraient soit en Anjou, soit dans le Ventay, soit dans le Maine. Donc autant dire. Ah oui, c'est plutôt étalé. Bah, il est où le Ventoux d'ailleurs? Je me posais. C'est là où je suis, le Vente. Là où il y a Ah mes ouais. Mirko. Bon, bah voilà. Et après, il y en a d'autres, ce serait dans l'Orléanais, la Touraine ou le Blessois. Ah Et bah voilà. bah. Voilà. Donc déjà, eux, on les chope. Et Hop. les autres, ce serait en Anjou, dans le Ventay. Demandons la paix! La guerre est gagnée. Oh, la guerre est gagnée, mais la guerre va être encore plus gagnée, y a pas de souci. Ouais. Et Ah, dis-moi, qu'est-ce qu'elle demandons la fait paix! là? Naples et État Elle est. Pontifical, Ouais, elle est d'accord. en guerre, ouais. Elle vient de déclarer une guerre. Oh, notre Oh la France. conquistador est mort. La France, elle est à 20 de lassitude de guerre. Merde, il est mort où ce con? Putain, il est mort en plein milieu nulle part, quoi. Revenez. Ah, oh, on peut pas revenir. Revenez là. Pourquoi vous voulez pas foutre de ma gueule? Est-ce qu'il faut traverser des territoires, c'est ça? Parce que ouais, t'as pas exploré ce truc-là. Tu te fous un peu de ma gueule? Ah, mais on peut mettre des gens. Bon, on va reprendre un conquistador du coup. Hop, c'est reparti. Explorer, les gars. Hop là. J'ai 100 de réseau d'espionnage au Brabant. On va peut-être le rappeler. Hop. Bon, les rebelles, ils meurent ou pas? Voilà. En échange de ton attrition en Suisse. D'ailleurs, il y a 5000 Suisses qui se réveillent, Ouais, hein. je sais pas d'où ils sortent eux, mais Et ils étaient au-dessus, ils étaient à Brisgau, en alors Autriche. je vois pas trop où ils vont aller, mais Moi non plus. On va les surveiller de loin. ouais, de toute façon, faut pas aller à Calais quand même. Je les vois bien Ah aller à Calais, bah, moi. s'ils font ça, Ah je les chope. Hein. non. Non, ils s'arrêtent. Attends, exploration. Qu'est-ce qu'on va explorer? Atlantique Sud, côte orientale américaine, la mer des Caraïbes. Explorer l'Afrique, ouais. Je vais voir si je peux choper le Cap de Bonne-Espérance. Ce serait cool. Putain, le Castille qui te passe dessus, là, juste à la fin d'un mois. Bam, l'attrition dans la gueule. Ça Ça y est, Berne pique. est tombée, il reste Zurich et c'est bon. Ouais, c'était sa capitale, il va lâcher l'affaire là. Oui, de toute façon, oui. Ouais, il prend les réparations de guerre et les sous. Hop. Paix. Et du coup, derrière, la France. Alors, la France, qu'est-ce qu'on peut prendre? Parce que c'est pareil, niveau coalition, ça va gueuler grave. Alors, déjà, Non. si on prend rien, les gens gueulent pas si on fait une paix blanche. Si on prend Paris, tout le Saint-Empire gueule. C'est vrai? Bah, les mêmes que tout à l'heure, hein. Ah, on prend 36 d'expansion agressive direct, quoi. En prenant Mais Paris. pourtant, on a une revendication.
Ouais, bah je pense que ce serait pire si on la prenait, si on n'avait pas. Ouais, ça doit être ça. Est-ce qu'on prend... Au pire, laisse tomber Paris. Hein. Bah, je peux prendre... Bon, après, voilà, on a vu qu'on pouvait gérer. Hein. Là, qu'est-ce qui gueule? L'Écosse gueule, Liège. Ah oui, l'Écosse, d'ailleurs, on pourrait la finir, l'Écosse aussi. Mayence, La Frie, Strasbourg. Ouais, bah voilà, ça va gueuler, quoi. Hein. Écoute, ça va gueuler. Mais Paris serait... Paris serait à nous. Je prends le Haut-Poitou et Saint-Onge en plus. Oh, c'est pas mal, hein. Je vassalise la Provence, non. Je l'humilie. Non, je l'humilie, on s'en fout de l'humilier. Ah, quoi que je suis à 46 seulement de démonstration de force, hein. Si je l'humilie. Ah oui, moi j'en ai pas de démonstration de force, du coup. Ouais, 58 de démonstration de force, ça peut avoir le coup de l'humilier, ouais. Et on prend 140. Si ça te va, ça me va. Entre 2 et 64 d'expansion agressive. Allez! Franchement. Ouais. Go! On en est. Ouais, gavage! Ah, c'est bon ça. On peut former la nation britannique! Ah oh bah, tu m'étonnes. Pourquoi on peut former la nation britannique comme ça d'un coup là? Oui, parce par qu'on contre, a pris oui, Paris. En fait, je te dis, tu m'étonnes, mais en fait, non, je comprends pas pourquoi. Quel rapport? Au moins, la technologie est au moins 10, on est indépendant ou tributaire, on n'est pas un peu autonome. Ah, on est en paix. Ah, je pouvais déjà le faire, mais on est en paix. Parce que t'es en paix. Ouais, mais alors pourquoi avant je pouvais pas? T'étais pas 10 si t'étais 10 en techno? Alors j'ai formé la nation diplomatique et formé diplomatiquement la nation diplomatique. Ouais, j'ai dû passer tech 10 pendant la guerre en fait. Ah bah voilà. Ah bah oui, tu en l'as pris pendant la guerre. On l'a pris pendant la guerre. Et là du coup, le pays est renommé Grande-Bretagne, j'obtiens des nouvelles missions, j'obtiens une renocation permanente sur la région des îles britanniques, je gagne du prestige. Bah oui. Agitation dans le pays plus sain, ok. Et là, nous héritons de Écosse. Ah, je peux le faire diplomatiquement. Si l'Écosse est une dépendance, ouais, on s'y arrivera jamais. On forme la Grande-Bretagne ou on garde l'Angleterre? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que t'en penses, Damned? Je sais pas. Voilà. C'est tentant quand même, hein, la Grande-Bretagne. Oui, non mais franchement, oui. Allez, la Grande-Bretagne. Nouvelle tradition et ambition. On prend les ambitions de la Grande-Bretagne. Non mais oui, franchement, tu peux pas, quand tu sais qu'il y a un événement comme ça à faire, ne pas le prendre. En plus, ça donne des bonus. Ouais. Le beau drapeau, l'Union Jack. Carrément, le beau rouge profond. Ouais, c'est ça, qui change du rouge pétant. Voilà, la Grande-Bretagne. Mine de rien, c'est pas mal, 1520, c'est pas si mal. On était mal parti, ouais. On s'en est bien tiré. C'est ça. Les mercenaires, on va peut-être les virer du coup. Ouais, quoi qu'on... Est-ce qu'on a éventuellement des gens qui gueulent? Réduction des impôts en Normandie. Ah. Indépendance de la Bretagne encore. Ouais, mais... 23 000 hommes quand même, hein. Salaud. Ouais, je vais peut-être rester par chez toi en fait. Ouais, je remonte hein, aussi, hein, mais... Je vais faire un petit peu de neutralisation des rebelles dans le nord. Si tu peux faire des neutralisations dans le sud, ce sera pas mal. Ouais, tout à fait. Bon bah j'enlève la pause. Bon bah c'est propre. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Bah ouais, c'est très très classe. Moi je trouve ça plutôt bien. Ah bah alors, oui. En notre flotte là, hop. Je pense qu'on a des bateaux améliorés maintenant qu'on est pété de thunes. On va tenter de faire une manufacture là. Hop. Moi je vais commencer à faire un réseau d'espionnage en Armagnac, parce que du coup maintenant. Bon, du coup voilà, la coalition ça va être la teuf. On va envoyer deux personnes là. Et on va faire un petit don à la Normandie pour la remercier. Oh, c'est trop. Hop. Ouais. Vous êtes trop bon, mon bon havre. Oh, je vous sens. Je vous en sied gré. N'est-ce pas? J'ai un bateau de transport, ça t'intéresse ou je le détruis? Ah bah moi je prends tous les bateaux hein. Ah alors attends ok, je regarde juste après, attends, je vais améliorer mes bateaux, voilà. Hop, 13 bateaux, c'est parti. À la Grande-Bretagne. C'est des flûtes hein. Ça c'est des caravelles. Caravelle et protège le commerce dans la Manche. L'argent coule à flot, 68 de plus. Bon bah.
Tant mieux. Alors, vendre. Bon, les réserves, c'est la dèche. On va pas dire le contraire. Voilà. Un cog. Voilà, à Dorset, je l'ai mis. Ouais, je l'envoie avec ma flotte. Bah, je l'ai capturé tout à l'heure, mais bon, moi, ça me. Faut dire ce qui est, ça me sert pas, quoi. Ouais, bah, pouvoir déplacer des troupes, ça va être pratique à terme, avec tous les colons et tout. Ouais, toi, oui. Moi, pas. Pardon, neutralisation des rebelles, j'avais oublié. Hop, du voilà. Coup, on améliore la cog. Le Palatinat rejoint la coalition. Et la France est en guerre contre l'Armagnac. On a deux trucs terminés. Ah. C'est beau. Est-ce qu'on peut envoyer des gens au Cap? Ah, presque. Alors en fait, l'Armagnac a déclaré la guerre pour prendre le Bourbonnais. Et du coup, le Bourbonnais, il est allié avec la France? Non, allié avec la Picardie. Pourquoi la France est dans la guerre? Ah, c'est trop loin ça. Je peux envoyer quelqu'un ici. Ici. Ouais, ici. Pas trop compris. C'est ici, pas c'est trop loin. Je peux faire bon, ça. Bah, si je pense qu'on va être bien pour finir l'épisode là-dessus. Attends, je vais envoyer quelqu'un. Vas-y. En Afrique. Un petit colon. Hop. Je vais juste bouger mes troupes pour pas oublier la prochaine fois. Ici du coup. C'est quoi l'état de ce truc? L'état de Québec. Ah. Ah, le mariage royal avec la Normandie est rompu. Ouais, donc c'est bien ma reine qui est montée sur. Vous. Montez dans les bateaux. Et c'est parti pour aller ici, je crois. Ouais. Régence. Elle est pas terrible, mais bon. Est-ce que je peux refaire un mariage, même si t'es pas... Je peux refaire un mariage. Allez. Bon bah au moins on est sur place si jamais il y a besoin de... D'une oui. Coalition. Alors, les bateaux, ils sont où? Bougez-vous le fion? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Scandale? C'est bon, tes hommes sont arrivés en... Ils avancent. Ils avancent? Ils sont au milieu de l'Atlantique, là. Ils s'approchent des côtes de l'Afrique, tant bien que mal. C'est vrai, il faudra que je pense à coller une petite revendication sur la province française de coloniser. Ça me ferait marrer de lui péter ses, toutes ses... C'est la France ou c'est autre chose ça? Non, les Arawaks. Lui péter les doctrines de colonisation qu'elle a dû prendre, ça ferait plaisir. Ah bah oui. Ah oui, par contre, pousser à la révolte c'est bien, mais ils auront 50% de soutien supplémentaire, soit 22 unités de plus. Ouais non c'était si c'était intéressant, si c'était intéressant clairement. Ah oui d'accord oui non mais j'avais pas oui d'accord. Ouais non c'est faut que ça soit intéressant. on est d'accord. Ils sont 7000 oui. Les mecs ici dis donc. Tu déconnes pas. Bah du coup on va se poser avec nos 1,5 hommes. Oh putain, l'attrition dans les bateaux, on s'est tellement fait défoncer. Oh la vache, s'il y a une rébellion, on n'a pas de réserve, donc s'il y a une rébellion, on va se faire défoncer. Bon, bah écoute, on va se faire défoncer, c'est pas grave. On s'arrête là du coup? On va s'arrêter là du coup. Tu fais la petite outro? Ah bah oui, c'est vrai. Eh ben merci à tous de nous avoir suivis, et j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle guerre, alors que la France se réduit de jour en jour, ou plutôt d'année en année. Sachant que le prochain gros défi ce sera l'Autriche, on verra comment ça se passera plus tard. En tout cas voilà, merci et puis on vous dit à la prochaine pour d'autres aventures sur le thé, le pudding et le camembert. À bientôt. Et merci à toutes et à tous.